Tous les matins, le même rituel. Un bonjour à tous ses collègues avant de partir faire sa tournée de livraison. En début d'année, Damien a été inscrit dans le plus grand secret par son responsable pour participer à une caméra cachée. Quand on lui fait une blague, il marche pas, il court. J'ai plusieurs anecdotes où il arrive dans mon bureau tout blanc, et puis quand je lui dis que c'est une blague, il se détend tout de suite, il doit s'asseoir, il fait limite un malaise. Donc c'était comme une évidence en fait, c'était la personne parfaite. Bonjour Gilles, merci. Ciao Gilles. Bon, ça se passe bien. C'est compliqué quand même, Guillaume. Pendant toute une journée, Damien est suivi par un stagiaire qui est en fait un humoriste très connu sur Internet, Greg Guillotin. Il enchaîne volontairement les bourdes, s'enferme dans le camion, se permet même de le taguer. Damien tient bon, même si les raisons de craquer sont nombreuses. Déjà, ce garçon, il arrive un petit peu en retard, un petit peu beaucoup même. Et moi, faut que ça soit ponctuel. On respecte les gens parce que c'est un peu normal, c'est primordial dans la vie. Il est arrivé, limite les mains dans les poches. Vous avez vu la vidéo, hein, une dégaine pas possible. La vidéo a été vue près de 2 millions de fois sur YouTube. Tous les jours, des gens le reconnaissent dans la rue, des clients lui en parlent. Oh, t'as bien réagi quand même. Hein. Ah bah oui, mais il faut... Dès qu'il monte dans son camion, merci. Damien repense à cette journée mémorable. Le lendemain de l'enregistrement, j'ai même regardé là, en croyant qu'il était encore là. J'étais un peu déçu. Damien s'amuse de toute cette célébrité, mais pas sûr qu'il reprenne un nouveau stagiaire de sitôt. Ça va être un peu trop pour moi. Histoire d'assurer toutes ses livraisons un peu plus sereinement.